Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes le dimanche 18 juin. C'est aujourd'hui que nous allons voir si les Français sont tout à fait macons, cons ou rien du tout. Enfin, c'est pas grave. Et nous en profitons pour visiter le jardin d'Annick à Outaz-Saint-Siméon, voir un petit peu faire l'état des lieux de comment ça se passe avec les fleurs, avec les roses, avec tout ce qui fait que ce jardin est un endroit magnifique qui vous plaît bien, je le sais par vos commentaires. Et voilà, et puis bon, je ne suis pas très objectif, mais c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, donc on commence par après les roses, les bégonias d'Annick qui vont très bien. Les roses aussi sont très belles. Ouais, c'est le coin rouge ici. C'est un coin forêt soumis, fort mélanchonesque. Alors, ici, on voit. Qui voit-on là? Bon, enfin, bref. C'est quasiment du Mélenchon. Hein. Oui, c'est mon hologramme. Oh, regardez, mon hologramme dans la glace. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc là, c'est le. Les bégonias. Alors ici, cette magnifique plante, je m'éloigne un peu pour qu'on la voit bien, de lavande, avec cette autre plante bizarroïde dont j'ai encore oublié le nom. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. Oublié le nom. Hein. C'est beau hein, quand même, hein. C'est joli, hein. C'est joli, hein. Faut dire ce que c'est joli. C'est beau, hein. Voilà. Alors ici, l'hortensia, qui a repris des couleurs et qui aura quelques fleurs d'ici peu. Alors. Le pot de menthe qui va vraiment bien, qui sent très bon. Alors là, c'est un premier plant de tomate qui est un peu souffreteux. Le deuxième plant de tomate où il y a des fleurs en préparation. Si mes souvenirs sont bons, ce sont des tomates noires, des tomates de Crimée. Et puis alors encore un autre plant de tomate. Et alors qu'on voit aussi les fraisiers. Et quand on regarde de plus près les fraisiers, évidemment que je les retrouve. Voilà, donc il y a encore des fleurs. Il y a encore des fleurs. Les fraisiers sont encore en fleurs. Nous allons encore avoir quelques petites récoltes. Petites, hein. Alors, les plantes tomates, hein, ils vont bien, hein, sont gros, hein. Sont gros, hein. Sont gros. Voilà. Voilà, donc, plantes, hein, c'est joli, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Voilà, c'est beau. Alors, nous allons faire le reste de la visite, en commençant par les petits œillets roses qu'Annick affectionne beaucoup. Alors, cette plante, j'ai oublié le nom, enfin, c'est pas grave, ça va fleurir. Là, c'est le pauvre lupin qui a été victime des bêtes que j'ai fini par avoir avec un mélange de concentré d'ortie. De mixture, dirons-nous. Alors ici, le basilic qui se porte bien depuis qu'il est sorti de son emballage de chez Aldi. La ciboulette qui était noyée là en dessous et qui allait crever et qui maintenant se refait une santé. Le thym qui est très beau, qui a bien fleuri. C'est joli, hein, c'est beau. Alors le persil qui est aussi a fleuri. J'ai enlevé une partie des fleurs, mais il faudrait que j'enlève le reste. Là encore de la lavande, magnifique. Donc le romarin qui est immense, hein, qui est gigantesque le romarin. Alors nous allons aller vers ici, la plante que moi j'adore et qui retombe un petit peu là, c'est l'estragon. Voilà. Alors ici, cette superbe plante qui évidemment est attaquée par les petits insectes et tout ça. Hein. Voilà, et là, à mon avis, la chaleur ne lui convient pas trop. Alors ici nous avons donc les framboisiers, il y a beaucoup de framboises en préparation, mais encore très très peu en couleur. Mais il y en a une et nous allons la filmer en gros plan. Voilà, nous avons notre première framboise rouge là. Donc il y en a certainement encore qui sont camouflées, mais nous aurons des framboises dans le courant de la semaine. Alors ici la vigne, hein, qui se porte bien, hein, qui est une vigne grimpante, et elle grimpe, elle monte. Elle monte beaucoup, voilà. Alors une espèce de bricolage à moi, fabrication chaque chevalier, c'est-à-dire presque nulle, ou quasiment nulle, quoi. Enfin bon, bref. Voilà,
Alors, la plante que Canik aime beaucoup, moi aussi j'aime bien, que j'ai dû un petit peu recouper. Alors là c'est beau aussi, hein, c'est magnifique. Comme d'habitude j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Alors là ici nous avons donc le cassis, hein, qui va bien. La fougère qui va vraiment très très bien, fort fort bien. Voilà, donc on a une vue, alors on regarde un petit peu l'herbe par terre et on voit que bon, ben, elle n'a pas beaucoup poussé. On va pas la tondre parce qu'il fait vraiment trop sec et que bon, je sais pas, peut-être elle risque de cuire trop. Voilà, donc on a une petite vue, on va aller voir la lavande blanche, hein, qui on oublie toujours et qui est belle. Hein. La voilà la lavande blanche. C'est une belle plante quand même. Hein. Et elle grossit bien. Je suis assez content du résultat. Donc là de loin, les tomates et les fraises. Et puis donc cette magnifique plante. Hein. Voilà, donc on va remonter maintenant. On ne va pas remonter jusqu'au bout, hein. On va remonter un petit peu ici et constater de loin. On va essayer de faire un gros plan, je ne sais pas, on verra bien. Parce que aller jusque-là, c'est loin pour moi, c'est dur. Alors, un petit rosier qui va bien. Hein. C'est beau, hein? Alors là, la petite plante à marguerite, elles sont toutes fanées. Elles sont toutes fanées, mais il y en a qui vont certainement revenir. Voilà d'ailleurs la preuve qu'il y en a encore. Voilà. Et bien là, j'ai le moteur avec 22. Voilà, il passe bien sûr sur l'herbe, hein, il passe sur l'herbe. On voit bien les traces, hein, c'est dommage, mais si vous voulez, hein, il faut bien faire avec. Alors, vous n'avez pas vu ça? C'est nouveau donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 plants de lavande. Des lavandes de chez Aldi. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique des lavandes de chez Aldi comme ça. Et regardez aussi le talus. Le talus. Le talus, il a été méchamment, méchamment coupé. Par qui? Mais par votre serviteur. Mais évidemment, c'est dimanche. On ne peut pas faire marcher la machine, sinon je continuerai volontiers. À le faire, mais ce sera pour demain, il faut la laisser pour chaque jour. Et puis les gens n'aiment pas qu'on fasse du bruit le dimanche, hein. Même si les avions, eux, s'en foutent et passent quand même imperturbablement à basse altitude. Hein. Alors ici, ça c'est des fleurs. On ne croirait pas, mais ce sont des fleurs. Ce sont des fleurs qui étaient sur un tapis. L'espèce de machin blanc là qu'on voit, c'est le reste du tapis. Et c'est un tapis de fleurs, comme on dit. Ben, ça a mis le temps pour sortir, c'est sorti. On ne sait pas encore exactement ce que ce sera. Moi, il me semble que c'est la capucine, mais j'en suis pas sûr. Et alors, il y a ce truc-là qui ressemble à des tagettes. Voilà. Alors là, on ne le voit pas, mais il y a des salades qui sont plantées. D'ailleurs, là, c'est peut-être les premières salades qui poussent. Voilà, peut-être. Hein. Encore une lavande. Et alors ici, ce sont mes plants de courgettes qui ont d'abord été poussés en serre, au départ de graines, des courgettes et potirons. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, on va revenir. On va passer par le pommier qui a été victime des fourmis. Hein. On n'aura pas de pommes cette année. Les fourmis s'y sont attaquées. J'ai mis du produit dessus. Elles ne sont plus là. Elles sont mortes et zigouillées avec un produit qui n'était pas un produit toxique, hein, ça dit en passant. Enfin, bon. Voilà. Alors là, au loin, il y a le cerisier qui ne portera pas de cerise, le petit sapin qui ne portera pas de pain, et encore là, il y a encore deux plants de lavande. Donc il y a quand même beaucoup de plantations, même si ça ne se voit pas, même si elles sont toutes petites. On peut s'imaginer que dans un an ou deux, sera-t-on encore là dans un an ou deux, eh bien ce sera tout fleuri ici. Hein, sans compter les tulipes à la bonne saison et tout ce qui pousse d'habitude. Voilà, donc on va rentrer là maintenant. J'ai mal aux pieds, non, dis-tu, bordel. Je ne devrais pas être grossier comme ça. Alors, les plants, les bacs d'hortensia, un peu d'hortensia, de bégonia, si je biaise. Voilà. Un petit coup de jardin, du paradis sur terre, comme on dit certains. T'as un petit coin de paradis, hein. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Alors, ici, la centrale des eaux. La centrale des eaux, les arrosoirs, les bouteilles d'eau. Magnifique, hein? Magnifique.
Un petit coup pour constater qu'on a fait encore une vidéo de 10 minutes. Allez, un petit coup pour finir sur l'église, hein, parce qu'on n'est pas chrétien, mais bon, on a la chance d'habiter près d'une église, ce qui est belle en plus. Voilà, 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 voilà. C'est fini, à la prochaine, je coupe, cloupe.